Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Mesdames et Messieurs les représentants du système judiciaire en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde solennité et un immense sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. Cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays Elle est plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation, ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation ». Le peuple congolais, au nom de qui, conformément à l'article 149 alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue, exige une justice qui porte haut les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'équité. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du gain indu. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, bon gré, mal gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent, pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Malgré quelques avancées, les défis demeurent immenses et peu pressants. Les moyens judiciaires sont encore limités, certes. Les infrastructures inadaptées et la couverture judiciaire incomplète. À cet égard, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et surtout la construction d'établissements pénitentiaires pour résoudre l'épineuse question de la surpopulation carcérale à laquelle nous faisons face actuellement. J'attache du prix
à cette question. Mais au-delà des moyens matériels, il est des antivaleurs plusieurs fois décriées et qu'il faut à tout prix éradiquer. Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Ces antivaleurs qui minent la mission et trahissent le devoir de la justice appellent obligatoirement une thérapie de choc, comme l'a dit le ministre d'État. Mon engagement à ce sujet est solennel et inflexible. Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais... Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais ne soit plus compromis par les intérêts égoïstes et corrompus. Mesdames et messieurs, face au tableau sombre dressé ci-dessus, il est temps de se ressaisir et de dresser sans complaisance un état de lieu exhaustif de la situation de notre système judiciaire afin de trouver des solutions à même d'y remédier. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des membres du gouvernement et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour leur collaboration dans l'organisation de ces assises. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour cette initiative d'organiser pour une énième fois les États généraux de la justice après ceux organisés en 2015. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement en plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarquent par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront. À ce propos, le but n'est pas de remettre en cause les conclusions et recommandations de celles de 2015, mais de procéder entre autres à l'évaluation du niveau de leur mise en œuvre, tout en proposant des actions concrètes à compter ensemble avec celles qui seront issues de cette deuxième édition. Aussi, ce moment me paraît indiqué, comme je l'avais déjà préconisé lors de la deuxième réunion ordinaire et de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue respectivement le 21 juin et le 9 septembre 2024, de peaufiner davantage la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics et aussi sur la possibilité de créer un service national du renseignement pénitentiaire qui devrait être capable d'anticiper et de prévenir des évasions à répétition que nous connaissons et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous devons également penser à moderniser notre appareil judiciaire, notamment en y insérant l'utilisation de technologies numériques pour faciliter les procédures et réduire les délais de traitement des affaires. Ces trois exemples ne devraient pas limiter l'imagination débordante de ces assises. Je vous exhorte donc à préserver, à travailler sans relâche pour le renforcement, l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre système judiciaire. Dans cette perspective, il vous appartiendra de soumettre aux États généraux de la justice tous les remèdes possibles, en ce compris des réformes législatives et courageuses et ambitieuses. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire
afin de promouvoir un état de droit. Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelé à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Le Congo attend de vous une justice implacable contre la corruption et l'impunité. Une justice qui ne recule devant aucune pression, devant aucun intérêt autre que celui de la vérité et du droit. Une bonne justice constitue le gage des institutions fortes pour le pays. À nos partenaires, je réitère notre gratitude pour votre soutien constant et indéfectible. À vos côtés, nous entendons renforcer cet effort fondamental pour que la justice congolaise puisse se hisser au rang des institutions les plus respectées, les plus intègres et les plus protectrices des droits et libertés fondamentaux de chaque citoyen. Aux acteurs du secteur privé, par ces états généraux, je voudrais que vous y trouviez la volonté ferme d'assainir l'environnement des affaires afin que le partenariat avec l'État soit dans le respect des règles. Je vous lance un appel pour une participation remarquable afin que votre voix soit entendue de ce que vous pensez et qui peut être amélioré. J'ai conscience du rôle et de la place du secteur privé dans le relèvement de notre pays. Ce que je recommande aussi est cette sincérité dans les rapports avec l'administration publique. Mesdames et messieurs, distingués invités, la tâche qui nous attend est immense. Mais l'histoire nous enseigne que seules les entreprises portées par une vision claire, une détermination sans faille et une volonté de faire survivent aux épreuves du temps. Ces états généraux doivent être le socle d'une justice digne, respectée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Je vous exhorte donc à formuler des recommandations concrètes et applicables pour que toute réforme qui sera préconisée ne demeure pas un rêve lointain, mais devienne une réalité. En terminant mon allocution de ce jour, je nous rappelle encore ce que disent les Saintes Écritures dans Psaume 106, verset 3, je cite. Heureux ceux qui observent la loi,
qui pratique la justice en tout temps. Cela dit, je déclare ouvert les États généraux de la justice et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour saluer la sortie de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Pour qualifier aujourd'hui l'état de notre justice sans embâche. Dès le départ, le président de la République s'est fait lui-même une idée de la justice. Il dit la justice, la population congolaise, au nom de qui la justice est rendue, attend une justice avec intégrité, impartialité et équité. Et aussi, il a dit, en tant que magistrat suprême, le président de la République a dit qu'il se tient ici. Le protocole invite M. Jean-Marie Kassamba pour la suite du doit protocole. Être réparé, bon gré, mal gré. Il veut simplement dire que, avec ou non la volonté de tous les acteurs, cette justice doit être réparée. Il a parlé des antivaleurs qu'il faudrait combattre et éradiquer. Il a parlé de la corruption. La condition, tout ce mot qui ronge et pour qui il faut une thérapie de choc. Le mot est revenu plusieurs fois, d'abord par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et bien avant lui, par le ministre qui lui aussi n'a pas été complaisant. Mon engagement est solennel, a dit le président de la République, c'est dire que ce discours devrait chaque fois servir de document de base pour toutes ces commissions, pour toutes ces personnalités qui vont travailler pendant une semaine et pour trouver des recommandations. Donc le président de la République a été très ferme, des mots ont été très forts, mais c'est des mots qui ont traduit simplement ce qu'il pense et toutes les attentes qu'il souhaite pour réparer notre justice. Voilà, nous sommes en train de terminer, Guillaume Modimola. Ces assises constituent un cadre de concertation, mais non pas un lieu pour le règlement des comptes, a dit Constant Mutamba. En un mot, le véritable état des droits n'a qu'un maître mot, c'est le respect du droit. Mathieu Moudibangou, nous sommes en train de terminer. Nakosukisa nakolbaite moko njambo ka fixa to ansiki tulombo azoki maloba moto suka ya zali magistrat suprême a pesika kanzela ya kosa musala kasili kamboli simbili zali boy eleko ya mawa masiri osali kambo mobeko motelemelio Oscar Mbala osali kambo zifimbo. Voilà, Astrid de Congo, en un mot, nous terminons cette transmission avant de rendre l'antenne. Rais anatoka kusema wazi wazi ya kusema kwamba hakuna mwenye ataweza kuwa juu ya sheria. Hakuna tena huruma ya kusema ule mwenye alitenda kosa waweze kumhurumia juu alitenda kosa, sababu wanamhurumia leo, kesho anarudilia tena ile ile makosa. Hakuna tena ile wakati, tunakuwa kwa wakati yenye amekusha kutoa ruhusa kunako wizara wanaohusika na mambo ya sheria ya kuweza kuwapiza yeyote mwenye anaweza kutenda makosa, anapaswa kuwapiza kutokana na sheria gisi nasema. Astrid de Congo, merci à toute l'équipe technique, merci à Jir Diakiadi qui a réalisé cette retransmission au nom de
tous les techniciens. Nous vous disons sincèrement merci. Les travaux se poursuivent ici au centre financier. Aujourd'hui, c'est la journée inaugurale et les commissions, les travaux en panel vont se poursuivre pour se clôturer les 13 novembre prochain. Merci à vous tous de nous avoir suivis à travers le pays et le monde. Et bonne suite sur votre de programme sur votre télévision, la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC, la chaîne des grands événements. Et à la prochaine, au plaisir. Nous invitons Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Excellences, Madame la Première ministre, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Messieurs et Dames, ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis, Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, de vous exprimer toute ma gratitude. Gratitude à cause de ma nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Vous avez risqué, alors que personne ne pouvait parier sur un jeune député issu des rangs de l'opposition politique, afin qu'il se voie confier ses lourds et grands portefeuilles régaliens, celui du ministère de la Justice. 5 mois après, Excellence Monsieur le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. L'unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et initiatives du ministre, votre ministre de la Justice, requièrent dans l'opinion. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, Monsieur Paul Kagame, qui a tant endeuillé. Je disais, Excellence Monsieur le Président de la République, et c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame.
Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort. Pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille. Cette bataille injuste, cette guerre injuste et illégale qui nous a été imposée injustement à cause de nos ressources naturelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Et cet état de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Mais Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice ? La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APJ, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, le constituant et les législateurs congolais ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter des abus de la part d'une composante. Vous avez donc le juge qui a pour fonction de dire le droit. Et rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un huissier de justice pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ. Il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut des greffiers pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur des décisions des justices et poser d'autres actes extrajudiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident de ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats grèvent, ça va être la même chose. Donc la justice est un corps, c'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre ? Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante ? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers,
comment les greffiers ne doivent pas empiéter sur les prérogatives des huissiers, ainsi de suite. C'est ça le rôle du ministre de la Justice, Excellence Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. Excellence Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc que le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions des justices. Le ministre de la Justice veille sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Il se rassure, Excellence Monsieur le Président de la République. Je disais donc, le ministre de la Justice veille à la sauvegarde, à la préservation des droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est donc le protecteur des faibles